Qu'est-ce qu'un label Si le temps de l'oral n'était pas si court, nous aurions pu répondre avec précision à la jeune étudiante qui posa cette question. Quelque chose comme le label, l'étiquette en français, est le terme adopté par la profession pour désigner une maison de disques, l'entreprise autorisée par contrat à exploiter commercialement, en exclusivité, les œuvres enregistrées par l'artiste. Le label peut être en soi une maison de disques ou le satellite d'une planète major. Universal Music Group, par exemple, possède de très nombreux labels, dont les mythiques I am, Barclay, Decca, Geffen, Blue Note, EMI, Capitol, Virgin, Island, Mercury, Motown, Philips, Polydor, Verve ou Deutsch Grammophone. Ces labels ont écrit bien plus qu'une page de l'industrie. Des livres entiers leur sont consacrés. Chacun son histoire, mais un siècle de fusion a transformé ces instruments à polir le talent en catalogue de référence. Le son Motown, l'esprit Island, la classe Blue Note. On ne trouve pas l'équivalent de nos jours, même s'il existe encore de nombreux labels dont l'image précède celle de l'artiste signé chez un indice ou au sein d'une major peut être un motif de prestige. Un artiste sans étiquette se prive d'une image de marque. Son statut d'autoproducteur ne pèse pas lourd sur le marché, contrairement au fardeau des tâches qu'il cumule, celles assumées d'ordinaire par le label. Le développement de son projet, son financement, la production, la promotion, le marketing, la distribution, l'édition des chansons s'il est auteur-compositeur. Les labels de nos jours proposent des contrats 360, élargissant leur domaine de compétences à la gérance du fonds de commerce de l'artiste, les concerts et les droits dérivés. Le label joue en quelque sorte la partition qui orchestre les liens entre l'artiste, ses collaborateurs, les médias et le public. Mais n'est-ce pas là le travail du manager aurait pu rétorquer l'étudiante, et la discussion de rebondir sur le rôle du manager, mais <laughs> la sonnerie signalant la fin du cours retentit, et la classe prit congé de nous sur le-champ. Guillaume et moi avons poursuivi la conversation jusque tard dans l'après-midi. Nos parcours différents nous amènent à des constats divergents. Il défend la gratuité, le partage, l'accessibilité des contenus, les concepts, Pay what you want et ma musique compte une adresse courriel. La gratuité de l'art pour l'art Pas tout à fait, mais une vision résignée tout de même. De mon côté, j'encourage les artistes à conserver leurs droits, le contrôle de leurs œuvres, la propriété de leurs phonogrammes, à signer des contrats de licence, pourquoi pas Mais à durée déterminée. Selon lui, 90% de la musique existante ne génère aucun revenu. En offrir l'accès augmente son potentiel renommé. Il cite l'exemple d'un artiste dont la musique diffusée librement en ligne attire l'attention des chasseurs d'extraits sonores. Trois ou quatre campagnes publicitaires par an suffisent à compenser le déficit de son modèle. D'après moi, la fortune des éditeurs et des labels repose sur le cumul des revenus engendrés par les millions de titres dont ils détiennent les droits d'exploitation. Si je m'en sors bien, après 40 ans de carrière, c'est que je suis aujourd'hui le principal ayant droit de mes œuvres. De modestes mais nombreuses sources de revenus subviennent à mes besoins. Je précise qu'elles sont toutes liées à ma profession et non le résultat d'investissements judicieux ou d'un mariage avantageux. Pour combien de temps vais-je encore profiter d'une relative aisance financière Je ne sais pas. La tendance est à la dévalorisation de la musique enregistrée. L'avenir professionnel des artistes, toujours hasardé, dépend de l'évolution des marchés de la culture, de l'escalade technologique, du comportement du public, des mentalités corporatives, des législations locales, nationales, européennes et internationales. Un artiste peut-il se passer de la belle oui, s'il le souhaite. <laughs> Ou si personne ne lui fait de proposition, il n'aura pas le choix. Une bonne entente avec un bon label, c'est l'idéal. Mais les idéaux sitôt atteints souvent se transforment en routine à fuir.